وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Comment, subhanallah, on peut se faire tromper par ce bas monde et par ces illusions, d'oublier notre vraie demeure. Car il n'y a que deux demeures dans l'au-delà, le paradis ou l'enfer, pas une troisième. Tu veux être parmi les gens du paradis? Le chemin, il est tracé, il est éclairé, il est détaillé, il n'y a plus qu'à suivre, il n'y a rien à faire. T'as pas besoin de chercher, c'est pas secret, c'est pas caché, il est clair et éclairci et tracé et détaillé. Il faut juste se mettre dedans. Tu veux pas? C'est une autre histoire. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. Allah Ta'ala, il dit donc, après cela, après tous ces bienfaits qu'on a donnés à l'être humain, qu'on l'a créé de la meilleure des formes, qu'on lui a préparé une récompense non interrompue, un paradis éternel. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge ad-din? Ad-din, les ulama aussi, ils ont dit, ça peut être ad-din, ayyom ad-din, le jour de la résurrection, ou bien ad-din, la religion, en général. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'empêche maintenant de mettre en pratique cette religion et de mettre en pratique ses ordres et ses lois et de suivre sa voie après qu'Allah t'ait donné tous les bienfaits, qu'il t'a créé sous la meilleure des formes, qu'il t'ait soumis toutes ses créatures, qu'il t'ait donné l'intelligence, qu'il t'ait permis d'avoir l'iman? Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'il t'a préparé une récompense non interrompue éternelle? Qu'est-ce qui t'empêche maintenant après tout cela? فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. Allah n'est-il pas le plus sage des juges? وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.